pour défendre et en cohérence politique, hein, on a été élu en 2020 par un nombre important d'Aurillacois. Je pense que c'est plutôt les représentants de la majorité du conseil municipal d'Aurillac qui seront les mieux placés pour défendre le programme pour lequel ils ont été élus. Et donc, il faut qu'une voix porte au conseil départemental pour la situation des Aurillacois, mais aussi du territoire de la CAP. C'était un petit peu entre les suite aux élections de 2015 que ça n'est pas pesé sur l'exécutif là. Disons que je peux pas reprocher à ceux qui ont été élus de pas défendre le programme contre lequel ils s'étaient présentés, mais j'ai remarqué que les financements et que les dossiers d'Aurillac étaient très maltraités, alors que s'ils avaient été mieux défendus, ça aurait pu se passer autrement. Voilà.